qu'est-ce que je fous ici? Hé, les gars! Attendez-moi, s'il te plaît! Je suis tout seul! Qui toi? Toi pas tirer. Ok, je tire pas. Mais t'es qui toi? Moi c'est sa mère. Mike, sa mère. Toi pas tirer. Ouais, j'ai entendu, mais t'es qui toi? Réponds. Toi pas tirer. Le disque il est rayé là. Toi pas tirer. 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 Mais ferme ta gueule. Moi Paul de riz, moi être comme ange gardien sur ton épaule droite ou gauche, comme tu préfères. Moi te guider dans ta mission. Mais quelle mission? Il s'agit de la mission Kaka. Tel est son nom. Tu dois éradiquer tous les Vietong de cette jungle. Telle une brise en emporte le vent sur la mariée. Ah, et t'es pas Vietong toi? Non, moi bol de riz. Pas Viet Tong. Mais pourquoi moi je suis été à y aller envoyer pour aller tuer les Viet Tong? Car Viet Tong reproduire comme lapin baiseur et envahir le monde comme américain envahir pays bougnoul. Bah avec plaisir. Mais pourquoi je suis tout seul? Parce que toi avoir tué coéquipier dans avion, donc toi aujourd'hui des mères t'es seul. Voilà, avec moi, suivre comme ange gardien sur ton épaule droite ou gauche. Bol de riz! Bol de riz! Bol de riz! Il y a de l'écho ici. Et merde. Vite, mes jumelles supersoniques. Super ces jumelles. Jamais sortir sans sa ficelle. Chut, ma gueule, ferme ma gueule. Parle doucement, Mike. Discretos. Ah ouais, j'ai pas de budget dans le film, donc bah, autant faire les bruitages avec ma bouche. Ils vont quand même pas me laisser tout seul dans ce parc nommé jungle. Oh, mes camarades, mes amis, mes proches, mes acolytes, mes potes, mes associés, mes partisans, mes alliés, mes frères, mes alter-ego, mes copains. Bon, j'ai épuisé tout le stock de synonymes là. Ils sont définitivement tous morts, à moins qu'ils soient pas français. C'est qui? C'est pourquoi? C'est quoi? C'est pour comment? Je vous préviens, je suis armé d'une arme militaire, hein. Une arme militaire calibrée 488 à fusion directionnelle radioactive.
Bouge pas, espèce de grosse! Alors, mon beau militaire poilu, moi c'est Kamasutra, c'est ta petite compagnie qui m'a envoyé pour subvenir à tes besoins d'homme en rut. Tu fais le trottoir? Oui, enfin, je fais plutôt la jungle du coup. Bah, c'est pareil, hein! Tu fais le trottoir dans la jungle? Bah, je serais pas contre une petite pipe, moi! Avec plaisir, mon beau militaire qui fait la guerre des étoiles. Tiens. Merci. Maintenant, casse-toi, la pute, j'ai plus besoin de toi. Va dire rétroviseur, suppositoire de Satan. Eh, pas mal, ça, suppositoire de Satan. Je vais la noter dans le cahier des blagues. Voilà. Allez, au revoir, hein. Oui, au revoir, hein. Bonne petite pipe. Ça fait du bien, hein, Popol? Ouais. Ouais. Une bonne pipe. Oh putain, ils viennent m'emmerder pendant que je fume ma pipe. Alors là, ils vont le regretter jusqu'à ce qu'ils meurent. Ces enfoirés. Ne pas me faire chier pendant que je prends une petite pipe. Devinez où je suis, je suis trop bien caché là. Brrra, 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 brrra. Voilà, ça vous apprendra. Bon, maintenant faut que je regarde où est-ce que je suis là. Heureusement, j'ai ma boussole. Allô? Ah bah oui, j'ai plus de forfait. Bah, j'ai plutôt envoyé un SMS, tiens. Non, plutôt un texto. Eh ben oui, j'ai plus de forfait. Merde. Bah, je vais attendre qu'on m'appelle. Bah ouais, mais si personne ne sait qu'il faut m'appeler, je risque d'attendre longtemps. Eh merde. Bon bah tant pis. Je vais grimper à un arbre pour voir où est-ce que je suis. D'après mes analyses, on est en pleine jungle et je dois descendre vers le nord. À cette altitude, je manque d'oxygène. Faut que je descende. Ah, quelle chute! Maintenant, je dois traverser ce ravin imaginaire. C'est parti. C'était risqué. Heureusement que j'avais pris des cours de bilboquet quand j'avais 3 ans. Papa Noël, qu'est-ce que tu fous là? Ho ho ho! Je cherche mes reines, mon petit bonhomme! Mais la reine, elle est pas ici, elle est en Angleterre! Ho ho ho! Mais non, mes reines! Bé! Ah ouais, avec des épines et un bec! Eh mais fais gaffe, hein! Y'a plein de jetons ici! Ho ho ho! J'ai plus rien à perdre, mon petit bonhomme! Je suis au chômage, de toute façon, moi! Comment ça, au chômage? Tous les ans, t'as du boulot, toi? Ho ho ho! Plus maintenant! Le Père Noël aussi est fauché! Tu veux dire que tu travailles plus avec les nains? Et que les petits enfants n'auront plus de cadeaux? Ho ho ho! Va falloir demander vos cadeaux au président, maintenant! C'est lui et ses amis qui ont tout pris, mon petit bonhomme! Oh, les salopards! Mais où est-ce qu'ils arrivera-t-il donc où s'arrêter, eux? Bah, j'ai une petite histoire pour te remonter le moral. Comment on appelle un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Ho ho ho! Je sais pas! Un chapin de Noël! Ho 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 ho! Un hélicoptère! Ah non, c'est une mouche!
C'est une mouche, je me disais bien. Et il est rapide l'hélicoptère. Papa Noël? Papa Noël? Papa Noël? Papa Noël? Papa Noël? Où est-ce qu'il est passé, Papa Noël? Bah tant pis, c'est la magie du cinéma. Merde! Une branche de tronc d'arbre qui me coupe le chemin. Comment je vais faire pour passer? Ça demande réflexion, là. Eh ben, je passe par en dessous. Heureusement que je suis intelligent. Je suis un fou, moi, à cette altitude. Allez, quand faut y aller. Voilà. Allez. J'y vais. Mais avant, un petit peu d'assouplissement. Voilà. Allez. Non, bien réfléchi. Je vais plutôt aller par là. Pour impressionner les lapins de la forêt, je vais courir au ralenti comme dans les films. Ouais, la musique! Mon Ventoline. Ah, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est que cette odeur là? On dirait l'odeur d'un scout crevé. Calme-toi, vainqueur! Qu'est-ce que tu fous dans la jungle des Viettes? Eh ben, je suis bûcheron. Ok, et qu'est-ce que tu fous? Je bûcheronne. Mais c'est toi qui pue comme ça? Ouais, j'ai roté. Ouais, y'a pas que la bouche là. Y'a le foie et le cul d'attaquer, hein. C'est un travail d'équipe tout ça. Ouais, mais au moins y'a pas de mouches qui viennent sur moi. Tu m'étonnes, tu repousses même les mouches toi. Tu devrais consulter un bon médecin. Ah ben, je comptais justement en consulter un, mais c'était un mauvais. Non, 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 consulte-en un bon. C'est bien mieux pour toi. Bon alors, toi et moi on va faire un pacte. Moi, je vais aller dans la direction dans laquelle je vais partir. Ok? Et toi, dès que tu vois un Viet Tong, tu coupes un arbre pour qu'il s'écrase sur sa gueule, ok? Ok, mais... Y'a pas de ok qui tienne. C'est oui ou c'est non. Ok, ça veut dire oui. Je t'ai dit qu'il y a pas de ok. Je veux juste savoir si c'est oui ou si c'est non. Non. Super, alors je compte sur toi. Oh putain, le taré. Et va te laver parce que tu pues. Ok. Y'a pas de ok qui tienne, c'est oui ou c'est non? Non. Super. T'es prêt à reprendre plein la gueule, toi? Comme à la guerre, je rampe, mais pas par terre, pour pas me salir. Et toi, la feuille, réponds, je cherche mon chemin. Tu vas répondre? Hé, hey, cousin! Hé, hey, franchement, viens voir! Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, wesh, reste tranquille, bâtard! T'as pas un hamster? Mais non, hein. Un bilboquet? Vas-y, wesh, là, oulala, ardim! Un vélo?
Vas-y, wesh, là, ou la lardim, ça courant de la mec, là. Tu comprends pas, je veux une... Mais tu veux quoi, bordel? Bah, une paille pour ma grenadine, quoi. Non, mais j'ai une grenade pour faire péter ta petite gueule, si tu veux. Vas-y, wesh, là, va niquer la chatte à ton grand-père qui est mort, espèce de fils de castor. De quoi? Ah non, mais... Je rêve, là. Attends. Ouais, non, je rêve pas, là. Tu m'as dit wesh. Ok. Transformation mammouth. Elle est soudaine la nuit ici, hein. Heureusement, j'ai une allumette. Ah putain, elle éclaire bien cette allumette. Noir comme dans le trou du cul d'un nègre. Bon, tant pis. Je vais dormir. Ah, ça fait du bien une bonne nuit de sommeil. Ah, ça fait du bien là où ça fait du bien. Je m'enfonce. Tu sables le mouvement. Vite, une branche. C'était un serpent. Il faut que je m'extirpe de là. Au secours. Les pompiers. Ils poussent dans tous les sens. Regardez, c'est un vrai en plus. Non, rien de rien, non, rien de rien. Qu'est-ce que je raconte? Bon, vu que je suis en présence de moi-même, et que plus je suis ici, moins je suis ailleurs, sans insulter l'armée américaine, fuck a GI. J'ai entendu un son qui vient de tribord. Bouge pas, toi! Qu'est-ce que tu fous? Caca. Caca. De quoi? Je comprends rien à ce que tu racontes. Bon, écoute, je vais te conter une histoire vraie tirée de faits vrais. Comme dans tout mauvais film, il y a un moment d'émotion. C'est Toto, il est à l'école et sa maîtresse lui dit « Toto, fais-moi un dessin ». Mais là, Toto, il sait pas quoi faire. Alors, elle est bien embêtée. Et là, Toto, il prend sa feuille, son stylo, et il fait un point sur la feuille. Et là, la maîtresse, elle lui dit « Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, Toto, il dit « Bah, c'est un hélicoptère. » Alors, la maîtresse, elle dit « Ah non, ça ressemble pas à un hélicoptère, ça. » Et là, Toto, il dit « Si, mais c'est parce qu'il est loin. » Ça te fait pas rire, ça, hein? Ah, il t'en faut une sur les gens de ta race. Bah tiens, c'est l'histoire vraie de deux hommes préhistoriques qui sont dans la jungle.
Et t'as un homme préhistorique qui dit à l'autre, moi je suis plus intelligent que toi. Et l'autre homme préhistorique il dit, ah ouais, pourquoi? Et tu dis, regarde. Il met sa main devant un arbre et il dit, vas-y, tape dans ma main. Alors l'homme préhistorique il tape et l'autre il relève sa main. Et l'homme préhistorique il snique la main. Alors il est pas content et il dit, je me vengerai. Ouais. Et alors un jour, l'homme préhistorique qui s'est fait avoir, il voit ses potes et il dit, hey, toi, Yava, tu sais que je suis très intelligent. Alors l'homme préhistorique, notre homme préhistorique, il dit, ah non, je sais pas pourquoi. Et il dit, bah, regarde, il cherche un arbre, mais il en trouve pas. Il cherche un mur, mais il en trouve pas. Alors il décide de mettre sa main devant son front. Toujours pas rien. Tu fous de ma gueule? Tu fais moi le malin maintenant que t'es mort, hein. Connard, tu les attirais avec tes conneries, t'es content? Tiens, c'était le dessert ça. Bon, maintenant faut que j'ai l'air surpris. Putain, ils sont cons, ils tirent dessus. M'en fous, format camouflage. Je suis tellement bien caché là que j'ai même le temps de boire un petit café. Nespresso, vas-y. Un truc comme ça, quoi. Je les ai égarés grâce à cette ruse tout droit venue de mon intellect. Et à la demande générale de moi tout seul. On y va! Mes bras, faut que j'aille à étonner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire machiavélique? C'est pas possible, j'ai perdu mes bras sur le trajet. Je peux pas continuer la guerre comme ça, il faut absolument que je les retrouve au nom de la loi. Ils sont là mes bras. Oh, ils sont là mes bras. C'est bon, c'est bon. J'ai trouvé mes bras, c'est bon. Tu peux rien faire sans mes bras, moi de toute façon. Hein. Je me disais terminer les parties de Chifomi ou me gratter les couilles devant la télé. C'est qui? Vous voyez, je suis dingue. Hein. C'est moi, bol de riz, toi pas tiré. Ah, tu tombes bien. Qu'est-ce qui passe ce soir sur TF1? Moi, ne pas être sûr que ça va être bon moment. Moi, venu te prévenir. Que je te préviens, qu'il faut te prévenir que je te préviens. Ok, intéressant. Mais la question pourrait plutôt être comment, ou peut-être même pourquoi? Bonne question. Toi, ferme gueule complètement. Moi, venu guider toi pour que toi retrouver nouveau coéquipier que toi pas tué et que toi sauver planète Terre, éradiquer Viet Cong. Ok, alors indique-moi le chemin, parce qu'un tu l'auras vaut mieux qu'un tien. Hein, t'es par... Moi oublié. Merci. Je me casse les dos. Je commence à avoir faim, moi. Il va falloir que je chasse. Mais pour ça, ils me font un harpon. Merci. Merde. Où est-ce qu'il est passé? Oh.
Il a fait le tour du monde, le con. Super, des kiwis. Ah, en spécial prix dessus encore. 1,72€, ça va être une belle économie, ça. Je vais pouvoir me rassasier. Fais caca en même temps. Bah, j'en ai marre de marcher. Je commence à avoir mal au coude. Je vais faire du stop, tiens, en espérant qu'une voiture me prenne. Connard. Non, moi c'est Mike, sa mère. Eh, mais je te reconnais, toi, t'es Terminator. Je suis un corps cybernétique enveloppé d'un tissu charnel. Ah bon? Merde. Bah, tu peux me prendre, parce que moi je dois y aller chercher du renfort. Négatif. Pourquoi? Je suis comme toi, moi, quelque part. Hein. Je suis un fou. Négatif. Mais si, je suis fou, moi. Eh, je bois de l'eau chaude. Hein. Négatif. Mais en plus, je suis champion de casse la gueule. Négatif. Eh, c'est tout un art, hein, comme disait Martial. Négatif. Eh, regarde, je me pince sans pleurer. Négatif. Eh, je peux casser un œuf rien qu'en le laissant tomber par terre. Négatif. Je peux aller ailleurs sans partir. Regarde. Hop là. T'as rien vu, hein? Eh, je te jure, je me respecte. Hein. Hasta la baby. Vista. Vista la baby. Baby la vista. C'est hasta la vista, baby. Négatif. Reviens. Reviens. Le gros con. Bon, sans me vanter, il fait chaud ici. J'ai l'impression que ma tête fait une aisselle. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mur invisible. Ça, c'est encore un coup des Viet Tong. Mais pas n'importe quel Viet Tong. Des Viet Tong Illuminati. Je peux pas passer par ici. Hé, hey, toi, faut pas rester ici, là, hein, avec ces jungles infestées de Viet Tong. Oui, bonjour, moi c'est Alain Soral, hein. Bon bah là je suis en train de lire mon livre « Comprendre le pire », hein. C'est mon livre best-seller, hein, qui a été lu 15 fois plus que la Bible, hein. Donc, c'est pour donner un ordre d'idée, hein, parce que moi dedans je prends des risques, hein. Je suis pas comme ces petits crétins sur internet, hein. Moi je dénonce vraiment l'oligarchie mondialiste babélienne, talmudo-sioniste, hein, maçonnico, satanico, chapeau, voilà, hein, voilà. Parce que moi j'ai réfléchi à tout ça. Ah ouais? Oui, alors on peut se demander pourquoi est-ce que j'ai le t-shirt de la gendarmerie municipale. Eh bien tout simplement parce que j'ai leur soutien, voilà. Ils me disent oui, monsieur Alain, ben, on vous soutient pour ce que vous faites, hein, bon. Hein? Voilà, bon, bah là tu me regardes, tu te dis, bon, bah, j'ai l'air un peu fou, hein, donc si t'es pas content, bah, sache que j'ai enculé ta femme, voilà, hein. Et ta femme, ta fille, et puis ta grand-mère aussi, voilà, hein. Voilà, maintenant, merci de dégager, hein, de partir loin, de t'éloigner à tout jamais et de plus revenir, hein, parce que moi, j'étudie, hein, tu vois ce que je veux dire, hein. Je pars pas tout de suite, celui-là va te dire bonjour dans le coin de la gueule, hein, voilà. Parce que je veux bien être sympa, mais il y a des limites, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui disent que j'ai pas d'humour, monsieur Alain n'a pas d'humour, bah, j'aimerais bien les voir à ma place, hein, voilà. Bon bah je te laisse, hein, je commence à avoir mal au crâne. C'est
Ça fait longtemps que j'ai pas vu Diet par ici. Et toi? Bonjour, c'est Michael Jackson, comme vous m'avez reconnu. Je suis ici, mais ne me dites surtout pas. Hein. Michael Jackson? Mais alors, t'es pas bouffé par les vers, toi? Oui, non, mais c'est parce que j'étais caché, en fait. C'est une blague, c'est un poisson d'avril. Ouais, un poisson d'avril de quelques années. Oui, c'est vrai, je suis excentrique jusqu'au bout. De toute façon, je serai toi, je resterai ici. Hein. Comme ça, au moins, il n'y aura personne pour dire t'encules des enfants. Oh oui, c'est tellement atroce. Atroce, c'est ça. J'aurais même dit freestyle. Tu sais qu'il y a des vannes freestyle qui circulent à ton sujet, d'ailleurs. Oh non, je veux pas savoir. Ok, alors, comment on appelle le sexe de Michael Jackson? La vérité, parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Non, ok, alors une plus sympa et après j'arrête. Quel est le grand point commun entre Michael Jackson et le Père Noël? Tous les deux viennent vider leur sac dans la chambre des petits-enfants. Non, mais là, j'arrête. En plus, prochainement, ils vont sortir un film sur toi. Ça s'appellera « Chérie, j'ai élargi les gosses ». Merde, le con ! Eh, crève pas ! Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu rapportes plus de fric quand t'es mort, toi. Tu verras en enfer, il y a Casimir, dit aux enfants. Et au revoir, hein. Au revoir, hein. Tiens, un journal. On dirait un journal de Viet Tong, c'est écrit en chinois. Intéressant. Ah, qu'il est bon de lire un journal quand on a envie de lire un journal et qu'on a un journal sous la main. De quoi? Un gorille s'est échappé dans la jungle des Viet Tong? Et comme par hasard, je suis dans la jungle des Viet Tong. Bien foutu, le scénario. Tiens, quand on parle du loup, enfin du gorille, ça sent le moment difficile et autre chose, mais j'ai pas envie de chercher. Plus un geste, Chewbacca. Tu t'es cru sur la planète des singes? Je vais te donner une chance de vivre. Tu vas trouver un chiffre entre 1 et 10. Pompidou, c'est pas un chiffre ça, Pompidou. Bon allez, t'as une quatrième chance. Je sais, y a pas la 2 et la 3, mais c'est mon film, je fais ce que je veux. Pompidou. Tu te fous de ma gueule? Je t'ai dit que Pompidou c'était pas un chiffre. Alors choisis un numéro entre 1 et 10. 1 et 10. 1 et 10. 5. 5? T'as dit 5? 100. 500. 500? T'as perdu. Poil au pied. Allez, t'as une dernière chance. 8? T'as dit 4? Excellent. Tu viens de t'auto-sauver la vie. Allez, va en paix, comme disent les pétomanes. Et au revoir, hein? Même pas essoufflé. Après ces moments d'émotion, je prendrai bien une pause. Mais avant, je vais demander à moi-même. Mike, est-ce que je peux faire une pause? Mais bien sûr, tu peux faire une pause. Merci beaucoup. Ah, on est bien à l'aise quand on est bien à son aise. C'est plus quand on est mal à l'aise qu'on n'est pas bien à son aise. Bon, j'ai fumé une petite frite. Vaut mieux fumer une frite. Le tabac, c'est mauvais pour la santé.
Après ce moment de rien du tout, comme le disait le berger, retournons à nos poumons. Ah ! Ah ! Je suis aveugle ! Je ne vois plus rien ! Ah là ! Ah c'est bon ! Ah c'est bon ! J'avais les yeux fermés. Décidément, malgré les explications pourtant très claires de Boldery, je trouve pas mon chemin. Je vais donc demander à moi-même. Mike, t'es où ? Je suis ici. Tu peux m'aider à retrouver mon chemin vers mon équipage, s'il te plaît ? Désolé, mais moi j'en sais pas plus que toi. Mais pourquoi ça ? Parce que je suis toi ? Non, c'est moi qui suis moi. D'accord, alors moi, je suis moi. Pas vraiment, disons que toi t'es moi, mais que moi, je suis moi. Très bien, je suis donc toi parce que je suis moi, tout en étant toi. Je commence à avoir mal au crâne, ça me fait réfléchir, j'ai pas l'habitude. Je sens que je vais m'évanouir au ralenti. Oh ! Oh ! Wow ! Ouais, me revoici. Le mieux d'après toi, je te conseille de marcher dans cette direction-là. Merci. À la demande de moi-même, je marche. Je marche. Je marche. Marche. Oh, que je marche bien, Rion. Oh, je marche tellement bien que si j'étais un super-héros, que je suis déjà d'ailleurs, je m'appellerais The Marshman. Oh, je marche. Je marche. Heureusement que je suis avec moi. Pour une raison qui m'échappe complètement, j'aime beaucoup ce profil. L'autre, j'aime moins. Rien à voir. Hein. Je sais pas pourquoi. Il commence à pleuvoir. Il faut absolument que je me trouve un abri. Ah, ça tombe bien! Un arbre parapluie! Ouf, il était temps. Il pleut comme vache qui glisse. Et merde! Une armée de Viet Cong. Ils sont au moins 957 milliards. J'ai une idée. Je vais me camoufler. Voilà. Déguisé en buisson, ils n'ont rien vu. Oula. D'un arbre. Ils sont piquants ces poils. Un ours polaire dans un arbre. Il ne m'a rien fait, mais je n'ai d'autre le choix que de me battre. Décidément, elle tombe vraiment vite la nuit dans ce film. Et en plus, j'ai perdu mon allumette. Bon, bah, comme il fait nuit et que la nuit, il fait moins jour, eh bah, je vais dormir. Oh. Quoi ? Je suis attaché par une corde imaginaire. En voilà une autre encore.
On aura tout vu dans ce film. Ça, c'est encore un coup des lutins de la forêt. Grâce à ma force physique, je vais briser ces liens. Ah, je peux pas. Pourtant, ma force, une fois, m'avait permis de battre Mimimati au bras de fer. Je comprends pas. Je vais essayer par la force de ma pensée. Ah, j'arrive pas non plus. Bon, bah tant pis. Je resterai ici jusqu'à ce que la mort me prenne. Be or not be, that is the question. Ah, j'ai une idée. Je vais faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah, ça y est. Non, j'ai oublié. Ah oui, oui. Non, j'ai encore oublié. Ah, ça y est, oui. Bol de riz. Présent. Ah, figure-toi que... T'es figuré, là, hein? Ouais. Figure-toi que là, je suis attaché par une corde imaginaire. Alors si tu peux me détacher, bah ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait avant qu'il m'arrive quelque chose qui aura le résultat de provoquer une conséquence. Toi, appelez-moi pour casser tête à moi. Non, Rickball, bol de riz. Je veux que tu détaches mes liens. Moi, vouloir aider toi en retirant poussière sur chemise à toi. Ouf, merci. Maintenant que tu viens de me nettoyer, détache-moi, s'il te plaît. Désolé, on n'a plus le temps. Bol de riz. Oui. Non, rien. Sûr. Je sais pas. Je sais pas quoi. Je sais pas que je sais pas. Mais comment on fait? Moi. Oui, toi. Toi. Moi. 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 Toi. Toi. Moi. Toi ou moi. Je sais pas. Je sais plus. Dégage de riz. Disparition. Attends. Quoi? Par où est-ce que je dois aller? À Droche. À Droche? C'est où ça, à Droche? Ça est entre gauche et droite. La Droche. Ah, ok. Au milieu, quoi. Voilà. Encore disparition, maintenant. Mais attends. Quoi? Non, rien. Disparition finale. Bon, bah, là, je suis bien emmerdé. Bah, j'ai coupé avec ma main tronçonneuse, tiens. Ouais, je sais, c'est débile. Elle est pas à ça près, de toute façon. C'est pas vrai encore, hein. Mais ils sont partout, alors. Allah Akbar. Ouais, c'est ça, ouais. Allah Akbar. Toi, de France. Si ça dérange pas trop. Si ça dérange, là, à un moment donné, va falloir aviser. Je vais utiliser mon talkie-walkie imaginaire. Monsieur Spock, vos analyses. Tout à fait d'accord. Nous devons nous y opposer. Je mets ma cape imaginaire et je continue mon chemin comme un prince. Balibalo dans le désert se promenait les couilles à l'air. Une rafale de grenouilles lui arracha les poils des couilles. Ah oui vraiment. Tiens, l'homme invisible. Ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah bah oui, c'est normal, t'es invisible. Ouais, c'est ça. Bah, on se voit plus tard, hein. Allez, au revoir, hein. Mike! Tu sais où tu te caches? Viens ici que je te casse la gueule, enculé! Ta gueule! T'as qu'à venir, toi, enculé! Salaud! Je détiens une otage! Je te jure, je vais la tuer, après je ferai sauter la jungle! Bah vas-y, t'es même pas cap! Si, je suis cap! Non, t'es pas cap! Si, je suis cap! Non, t'es pas cap! Si, je suis cap! Non, t'es pas cap! Je vais le faire, hein! Salaud! Comme dans cette fiction, j'ai aucune limite. Je vais apparaître derrière lui. Alors, tu réponds plus? Je vais la crever! Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un piège, ça, hein? Et là, tu viens de tomber dans mon oreille! Dans mon piège! Alors lâche la pétasse! Jamais! Ah, tu veux que je m'énerve? Tu veux que... Ah, ça y est, là, je commence à prendre la voix du mec qui s'énerve.
ça y est, là. Non, non, là, je m'énerve, là. C'est pas possible, ça, cette histoire, là. J'ai jamais vu ça, là, en 30 ans de guerre. Merde, alors. Alors, lâche la fille. Je veux du fric. Et lâche ton revolver, ou je te jure, je vais la violer devant toi. Ok, ok. Calme-toi, je lâche le revolver. Tu veux combien? Salaud. Envoyons la scène, Ron. Ça va, la fille? Oui, ça va. Oh, merci de m'avoir sauvé, ça me sauve. Il n'y a pas de quoi. C'est mon boulot. Allez, viens, pour me remercier, on va fêter ça ensemble. Allez, au revoir, hein. À bientôt. Une bouteille en verre. Ça, c'est la preuve qu'il y a un nid d'abeilles dans le coin. Putain d'abeille! Ah, j'avais été sûr, ça c'est encore un coup d'évier de tong! Ta ta ta! Ta! Moi la force de Chuck Norris! Bon, mine de rien, je suis encore perdu! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pardonne mon excuse, jeune homme. Tu connais pas le chemin vers l'hôpital des Trois Bougnoules? Là, je me suis perdu, hein, Dieu. Ouais, t'es encore plus égaré que moi, toi. Hein. Ben non, t'es dans la jungle des Viettes, ici. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ouais, il fait beau aujourd'hui, ouais. Mais enfin, bref. Moi aussi, je suis paumé, hein. Alors, c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider. Hein? Comment? Parle un peu plus fort, je suis un petit peu dur de la feuille d'oreille. Je dis, démerde-toi! Écoute, mon petit gardement, tu as respecté les plus âgés que toi, hein, mon tonton. Bip! Oh, il fait caca! Non, je n'ai rien à foutre. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, il fait beau aujourd'hui. Il va falloir regarder la météo, hein, pour savoir ce que ça va faire demain. J'en ai rien à foutre. Il fait beau aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu penses de l'euthanasie, toi? Ben, ça peut pas faire de mal, hein. Moi, j'en ai pris beaucoup, des extasies, hein. Il fait bon aujourd'hui. Pff, ouais, bon. Allez, bon courage. Hein. Puis fais gaffe aux Viettong. Il fait bon, hein, aujourd'hui. Il fait bon, voilà. Il fait bon. Oh, oui. Il fait bon. Il fait bon. Il fait bon, il fait bon. Jamais je finirai comme lui. Oh non, c'est pas possible! Un lac imaginaire! Ah là, tout le monde en est témoin, un lac imaginaire. Bon, heureusement, j'ai mon masque de plongée. Hop là. Et voilà. Et c'est parti! Ah là, je nage! Oh, comment je nage bien! Ah là! Ouais, quelque part, c'est pas plus mal, hein. Ça me fait... Le premier qui dit que mon film est débile, je vais le prendre très très mal. Allez, c'est parti, là. Oh.
étrange, mais ça me semble bizarre. Je me sens lourd. Ça doit être ce silence qui est pesant. C'est un tel silence qu'on pourrait entendre un microbe se gratter les couilles à un concert de Metallica. Eh ben, j'y pense, on n'a pas eu le moment des flashbacks. Eh ben, c'est parti. Flashback. Aïe, je me souviens quand j'avais des cheveux, c'était bien. Je me souviens quand je faisais une partie de solitaire, hein. Non, pas celle-là, l'autre. Voilà, ah, quand je faisais une partie de solitaire, c'était bien. Famille ! Je me souviens quand je mangeais une banane, c'était bon. Ah ouais, puis quand j'avais une barbe, là aussi c'était bien. Ou encore quand je me coupais les ongles des pieds, c'était bien. Ah, je me souviens quand je fumais, là aussi c'était bien. Ah, enfin bon, tout ça c'est du passé, hein. Mais non. Ah, le passé c'est le passé, quoi. Le passé c'était avant le présent. quand même, ça fait quelque chose au cœur. Maintenant, pour aller plus vite, je vais monter sur ma moto imaginaire. Panne d'essence, et merde. Bah. Ah, elle m'attendait là, mon arme. Bol de riz ! Présent ! Ah, à bientôt ! Bol de riz ! Présent ! Est-ce que je suis sur le bon chemin pour aller chercher mon équipage ? Oui, toi pas égaré, car t'en vas la cruche à l'eau. Allô ? T'en vas la cruche à l'eau, vole un bœuf ! Évidemment. Ah ! Attention ! Trop tard ! Non ! Un putain de con ! C'était seul espoir ! Quelle fin tragique! Ça fait du bien, hein, Popol ? Ouais, une bonne pipe. Ça fait vraiment pervers. Eh ouais, on est encore dans The Guerre. C'est normal, un homme préhistorique avec un sifflet, c'est tout à fait normal dans mon film. Ok.
Muriel, va là-bas. Je vais coucher. Casse-toi. Pas bouger. Je suis un acteur. C'est de la comédie. Il y a cru. Hein. Mike, je sais où tu te caches. Viens ici que je te casse la gueule, enculé. Putain, une moustache de merde. T'as vu la tête, rien. C'est marrant comme ça. Oui, au revoir, hein. Vas-y, wesh, la roule à l'ardine, t'es ouf ou quoi? Vas-y, hein. Bâtard. Racaille de merde. Ok, ça, je vais recommencer. Oh, ben ça peut pas faire de mal, hein. Moi, j'en ai pris beaucoup, des extasies, hein. Il fait beau aujourd'hui. C'est le personnage qui te fait rire. Mon arme m'attendait là. Sweet, sweet, Fantadiaro. Ouh, ouh, Fantadiaro. Tu veux la voix du mec énervé? C'est ça que tu vois quand je m'énerve. Ah non, là, c'est pas possible. Ah là, ça y est, il commence à m'énerver. Ok. Ah, tu veux que je m'énerve? Ah, je vais prendre la voix énervée, là. Attention, là, ça y est, je commence à prendre la voix énervée, là. Là, je m'énerve, c'est pas possible, là, cette histoire, là. Là, je chante en train de sonner le gong. Voilà, j'ai tout dit. Parfois, des silences valent mieux que de longs discours. À très bientôt.